Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Comme vous pouvez le voir, je suis en face d'une borne Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission numéro 4, si je dis pas de conneries. Et on va faire du tirage de cartes. Ça faisait longtemps. Alors, pourquoi ça faisait longtemps? Parce que je m'en foutais jusqu'à présent. Mais là, il y a tout un arc qui se focalise sur le spécial TV avec Trunks, les cyborgs, enfin les androïdes. Il y a du sel et tout. Je vais vous montrer rapidement la borne. Ça tue, les amis. Bon, de la petite borne avec du Goku en blue, exhibé avec du Bills. Et puis vous avez les cartes là, alors ces cartes là je m'en fous globalement. Et puis regardez, vous avez ça, oh là là, le design du Trunks est magnifique. Les androïdes sont superbes, hein. Et les petites campagnes à la con, façon, tout ça limite je m'en fous, hein, je vais pas vous mentir. Ça commence aujourd'hui, tout ça blablabla. Et puis la borne est là, voilà, avec, putain mais cette intro de feu. Le design est complètement taré, on dirait du design à l'ancienne, je sais pas vous, mais je trouve ça fou. Et oui, le Milai Gohan est mis en avant. Parce qu'il y a du lourd, les gens. Qu'est-ce que j'entends par lourd, les amis? Il y a 3 secrets à choper. Déjà, pour choper une secret, c'est chaud. Hein, le drop, il est tout pourri. Dans les 3, il y en a une qui est hyper convoitée, c'est la Végéto. Ben voilà, Végéto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, dont je me fous complètement. Moi, ce qui me chauffe vraiment, la secret de Milai Gohan, qui est fantastique. Le design est terrible. Je suis complètement sous le charme. Je pense qu'on va pas la choper, faut pas déconner non plus, parce que encore une fois le taux de drop est vraiment minuscule, ridicule. Mais je trouve ça sympathique de faire ce genre de multi-invocation IRL dans la vraie vie. Et puis j'espère au moins choper ce genre de petites cartes rouges. Si je ne les chope pas, je pense que je les prendrai à Akihabara, qui seront certainement vendues à des prix plus que raisonnables. Vous êtes chaud? Je suis chaud, on y va, la borne elle est prête, j'ai ma petite carte et c'est parti. Allez hop. Le petit 100 yens. On y va, c'est parti. Bla bla bla. Ouh, ça a bien changé. Oui, je vais acheter des cartes. À l'époque, c'était, vous vous souvenez, un truc qui se déroule quand on fait tourner, etc. Là, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Oui, Goku, oui, Goku. Putain, Goku, le design a changé aussi. Putain, ils ont peaufiné le jeu depuis le temps. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Hop là. Oui, j'ai mis ma petite licence. Putain, le Goku, il est un peu plus baraque, je trouve, que d'habitude. Coucou, coucou. Allez, la première carte tombe. Et nous avons du Goku. La suivante, nous avons du Kulilin. Putain, il est dégueulasse. On y va, les amis, on y va avec une Trunks. Assez sympathique dans l'ensemble. Allez, ma gueule. Allez, ma gueule. Oh, de la prisme. Oh, on s'en branle, on est d'accord, les gens? Allez, fais-moi rêver un peu, là. Quelque chose de lourd, au moins. Bon. Du Kulilin, du Gohan, du Piccolo, avec quelques effets brillants. Pas dégueulasse dans l'ensemble. On y va, 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 avec de la bidelle. Très choupi. C'est pas mal. Allez, on continue, les amis. Allez, viens là, cocotte. Putain, elle est collée contre le rebord. J'y arrive pas. Oh putain, de la double dégueulasse. Let's go avec du Raditz. Sympathique. Franchement, j'aime bien. Allez, 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 allez. Putain, c'est collé. Du Vegeta en mode vénère. Ok. Continuons, les amis, avec du Paragus. Quelques effets à droite à gauche, pourquoi pas. Cette fois-ci, on tombe sur... Putain, mais qu'est-ce que j'en ai à branler de ça? Salsa. Oh. Oh. Du Vegeta en Super Saiyajin. Putain, je pensais que c'était une grosse carte, mais non. On continue les gens avec de l'Android 18. Voilà, quelques effets à droite à gauche. De la Gohan. Sympa. Franchement, design pas trop dégueulasse, sympathique tout ça. Du Gohan, dégueulasse. Je suis deg. On va choper, les amis, on va choper. On va choper de la Porquan. Pas très fan. On continue avec du Gohan dégueulasse en double. On y va avec du Trunks. Ok. DBGT. On continue. Oh, sympa tout ça, dis donc. Ça a de la gueule. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Du Gohan. Du petit Gohan avec Trunks. On y va avec
du Vegeta en Super Saiyajin, bon Vegeta Xeno, hein, pourquoi pas. Hop là, hop là, hop là. Du Gohan en Super Saiyajin, classe, très classe même. Et nous avons du Goku GT en Super Saiyajin. Continue avec du Raditz que j'ai en double du coup. On y va avec, putain de merde, les mots BR, on s'en branle. De ce côté là, on continue avec Mister Satan. Hop là. Du Gohan Trunks que j'ai déjà. Hop là. Du Broly. Elle est sympa ça là. Franchement, elle est vraiment sympa. Du Goten. De l'Android double. Juste par curiosité, je vais aller voir les bornes là-bas. Souvent, il y a des collectionneurs qui laissent les cartes. Ils ont double. Donc, si ça peut me faire plaisir, voilà. Alors, les bornes. Pas de cartes. Pas de cartes. Pas de cartes. Et pas de cartes, ça veut dire que ils ont fait le ménage. Bon voilà les amis, on va faire un check des cartes que j'ai chopées. Il y a de la double à l'intérieur, de toute façon c'est pas grave. Donc de la Gohan, du Trunks, celle-là elle est vraiment, alors vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt classe. Le Gohan en Super Saiyajin aussi, je trouve qu'il a de la gueule. Le Goku Super Saiyajin, pourquoi pas. Ça on s'en branle, ça on s'en branle, ça c'est de la double. On a le Goten qui va bien. Donc lorsque vous invoquez du coup les deux cartes ensemble pendant le jeu, vous pouvez faire apparaître le Gotenks qui est en fond, tout simplement. Voilà. Donc oui, il y a plein de petites combinaisons comme ça. Faire le Kulilin est dégueulasse. Le Trunks c'est plutôt sympathique. La Bidale est superbe. Le Kulilin est dégueulasse. Le Vegeta est classe en Super Saiyajin du coup. Ça c'est de la double. Le Gohan est plus que correct. Ensuite on enchaîne avec les petits effets autour. Regardez le petit côté doré, très classe. Vegeta également, Vegeta Xeno avec sa veste de l'espace. Le Raditz magnifique avec Vegeta en fond, superbe, très très fan. De la double, du coup, de l'Android, du Paragus, de la double. Celle-là elle est superbe, je la trouve très très classe quoi. La Team Z qui rentre dans le tas, magnifique. Le Goku en mode vénère, bon bah du coup j'ai Goku Vegeta, enfin j'ai. Je vais vous dire pourquoi, après ce sera pas à moi. Ça on s'en branle. De la prisme et puis bon, de la petite carte CP, le Polkwan. Au début je la trouvais moche, hein, j'ai dit bof, mais au final je trouve que le design de Vegeta Goku et puis Polkwan au final est assez classe et le Broly assez vénère. Franchement, de la bombe. Bon, c'est plutôt cool de se poser. Alors globalement j'ai fait quoi, une trentaine de tirages. Et je ne vais pas garder ces cartes. Mais alors Marty, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas les vendre? Non, je ne les vends pas non plus. Je fais plaisir à un ami tout simplement, ça lui fera une petite surprise. Je sais que de toute façon il va pas regarder cette vidéo. Hein, bâtard, je lui enverrai la vidéo après. Donc c'est le genre de carte, je sais que ça lui fait plaisir qu'il collectionne en plus. Et puis voilà, moi ça m'a permis de faire du coup quelques tirages, plusieurs tirages. Et puis j'espère un jour avoir la Milai Gohan. Je sais qu'elle va baisser de prix de toute façon, donc je pense que je me la prendrai. Et concernant les autres cartes, hein, les Trunks et compagnie, je les prendrai à l'unité, à Akihabara. Les prix seront certainement très bas. J'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Rendez-vous demain pour le déballage d'une figurine. On reste dans le thème Super Dragon Ball Heroes. Là, ça fait 3 jours de Super Dragon Ball Heroes. Hein. D'une figurine convoitée surtout par The Mickey's. Bisous copains. Et puis, c'est tout. Marty Japan, Facebook, Twitter. Bisous. Ciao, ciao.